L'histoire du hautbois est quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire qu'on sait que la plupart des instruments mélodiques sont apparus dans le Moyen-Orient à peu près 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. Tous les hautbois ont été utilisés sur tous les continents du monde, sauf sans doute sur le continent américain. Sur ces continents, ce hautbois a porté plusieurs noms. Le doudouk, la zurna, en Italie ce sera le piffero, en Espagne la gaita, et en France, alors en France il y en a énormément, peut-être parce que c'est un pays qui est au carrefour de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud, et encore plus chez nous en Occitanie. Surtout le pourtour méditerranéen, on va l'appeler l'Ugraile. Dans les Pyrénées, ça va être la bouesse, le clarou, le clari. C'est un instrument qui marche avec une hanche. Une hanche, c'est une ou plusieurs lamelles de roseau qui rentrent en vibration et qui permettent à l'air de passer d'une manière saccadée. Et c'est ça qui va donner la vibration à l'intérieur de l'instrument. Les hautbois, en général, marchent avec des hanches doubles. C'est-à-dire il y en a deux lamelles qui sont un peu comme les paumes de la main, qu'on attache l'une contre l'autre et l'air passe entre ces deux parties. En Occitanie, on utilise exclusivement le buis, qui est le bois le plus dense, le plus dur. C'est une qualité qui lui est reconnue depuis le 14e et 15e siècle.